C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner est venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de pour les Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Puis mon père dit à ma mère, en nous passant le plat de gratin, la Marie-Jeanne, elle était pas très maligne, passe-moi ton le pain. Il y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à pour les Essonnes. Et voilà, Marie-Jeanne Guillaume va jeter du pont de la Garonne. Puis mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas, on avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Et il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. Que je l'ai bu à la Syrie hier à Bourg-les-Essonnes. Et qu'aujourd'hui Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Maman m'a dit, enfin mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin, tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Moi, la sœur de ce jeune curé est passée en auto. Elle m'a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner. Oh, et à propos, elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Essonnes. Et lui et Marie-Jeanne jetaient quelque chose du pont de la Garonne. Une année est passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon frère en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand chose, elle est toujours fatiguée. Et moi, de temps en temps, je vais ramasser quelques fleurs du côté des Essonnes. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la Garonne.